sûr qu'on est dans un concours d'enfants. Parce que là, pour le niveau, c'est incroyable. Parce que, voilà. J'ai trouvé ça merveilleux. Vraiment, tu as réussi à lier la souplesse, la technique. J'ai eu très peur quand tu étais juste pendu d'une main et que tu remontais de tout ton corps. Et ça, c'est quand même assez impressionnant parce que tu dois soulever ton propre poids et c'est pas évident. Donc, je t'applaudis pour ça. Si j'avais un petit conseil à te donner, entre tes accros, entre tes pas, essayez de lier un petit peu plus pour apporter un petit peu de magie à ta prestation. Donc c'est pour ça que je t'ai mis la note de 21. 21 sur 25. Ma chère Alizee. Alors, moi, contrairement à Philippe, je suis mais sous le charme, totalement convaincue. Et surtout, tu as le même âge que ma fille. Et ma fille commence à peine les pointes maintenant, parce que normalement, on commence à cet âge-là. Et le niveau que tu as, c'est incroyable. Et je suis sûre que tu seras une future Pietra Gala. Et pour la paix, je veux un bisou de la future danseuse, parce que je sais quand elle sera plus grande, ce sera... Alizee se lève. Mais c'est vrai que j'ai senti émue, Alizee. Hein. Ah, moi, je l'ai pris son... Voilà, c'est fait, le bisou d'Alizee, qui était touchée pendant le... C'est vrai, Alizee, je vous ai senti un petit peu émue. Alors, j'en tremble encore, et parce que j'en tremble encore, j'ai mis 25. 25. Quoi? Elle a 15 ans, celle-là. Je sais que c'est très stressant, quand on a ton âge, de faire une émission de télé, de chanter... moi-même, il y a 16 ans, j'ai fait ma première émission, j'avais 15 ans, sur la même chaîne. Et il y avait des chances. Mais il y avait Liane qui était là, et j'ai dû chanter face à Liane, et c'était très stressant. Et j'ai dû chanter a cappella, comme tu as fait au début. Et ça, chanter a cappella, c'est très très compliqué, parce que là, pour le coup, tous les défauts ressortent, et j'ai pas trouvé de défaut. Alors je te dis bravo. Et la note. Je t'ai mis 23. 23 sur 25. Allez, Alizee. Moi, je trouve ça assez moderne, assez bluffant. On peut pas leur enlever ça. Ça, ouais. Vous avez une super énergie. Il y a juste un petit truc. Vous connaissez mon amour pour la danse. J'aime beaucoup la danse, mais j'aurais aimé voir un tout petit peu plus de magie. Voilà. Et j'ai mis la note de 20. 20, wow, ouais. Ça va. Ouais. Pas mal. D'accord. Vous êtes des vrais b-boys, des vrais. Ils sont bluffants, ils font des choses à tourner sur la tête, c'est quand même dingue et c'est fou de monter sur les petits plots là et de faire un salto arrière, il faut se jeter quand même. Hein. Et est-ce que c'est plus compliqué de faire ça à deux? Ils sont synchro en plus, c'est ça qui est fou. Ah ouais. C'est quand même assez incroyable, c'est qu'ils n'ont pas la même morphologie, ils n'ont pas le même style, parce qu'on dirait un petit Stromae et un petit comptable. Alors Alizee, votre note? Ah ben 25 forcément, il n'y a même pas de débat. Concentration. Et j'ai une petite question, je voudrais savoir d'où tu tiens cette force, si c'est une force plutôt physique ou plutôt mentale. Donc déjà c'est un exercice qui sert à travailler le mental. Pour casser un bâton, il faut avoir toute la concentration sur la partie où le bâton va casser. Il faut imaginer que la partie où le bâton va casser, il faut que ça soit de la pierre, on imagine que c'est de l'acier. Comme ça le caton il casse plus facilement. On ne peut pas prendre Gérard Louvain quoi. Alors, parce que c'est du vrai, hein, pas de problème. Hein. Ah, voilà, alors la note d'Alizee. Alors j'ai mis la note de 22. 22. Oui. C'est vraiment dur. Hein. Oui, un vrai petit génie. En fait, j'ai été suspendue. J'étais dans les nuages, parce qu'en plus avec la mise en scène, tu nous as embarqués, parce que, comme le disait Gérard, t'es habité. Tu vis ce que tu joues. Et puis, tu n'as pas choisi un truc super simple, quoi. Enfin, voilà. Frédéric Chopin, c'est un vrai super kid, hein, Nicolas. Mais c'est un vrai génie. Un super génie. Un super, super génie. Alors, super kid. Un super génie, ce sera 25. 25. Oh là là, pour l'instant, c'est deux notes maximales. On va commencer par Alizee. Qu'est-ce que vous avez pensé de Rémi? Alors moi, Rémi, je trouve que tu chantes très, très bien. Tu as une très belle technique, un très joli timbre de voix. Si j'avais un petit conseil à te donner, ce serait de lâcher prise. Essayer de t'abandonner un petit peu et moins se concentrer sur la technique, parce que la technique, elle est là. Donc pour ça, je t'ai mis 23. Wow. Merci beaucoup. Belle note, Alizee. Ah, il y avait le crack un petit peu. Ah oui, ça claque. C'est le cas de le dire. Voilà. Alors, ça claque. Je suis méga fan d'Harry Potter. Je suis super fan de claquettes. J'en ai fait un petit peu quand j'étais petite, mais alors j'ai un niveau très 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 loin par rapport au tien.
Dis-moi la vérité. Dans tes baguettes. En fait, c'est des baguettes magiques. Et c'est, elles font danser tes pieds. C'est pas possible d'aller aussi vite. Alors, Alizee, on veut une note pour un collectif de claquettes. Pour Marius Potter, je mets 25. 25 Combien, combien 25. Parce que vous m'avez fait vibrer. Ce qui est incroyable, c'est que les enchaînements sont super fluides. Ça a l'air naturel. Ça a l'air facile, en fait. Donc, bravo pour ça, parce que... Bah, je pense que vous faites beaucoup de sacrifices pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Et voilà, bravo. Alors, Alizee, êtes-vous tombée sous le charme d'Hugo ? Alors, totalement. Je trouve ça très original. C'est incroyable. Donc, bravo. Je ne me fais pas de soucis pour toi. Non, moi non pas plus. Pas du tout. Et je t'ai mis 24. 24 ! Que des très, très jolies brocs sautées. J'ai fait du jive. C'est pas loin, mais c'est très, très physique. On le voit, ils sont un peu essoufflés quand même. Alors je vous ai mis une note, une belle note, 22 je vous ai mis. 22 pour Alizee.